Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Margot, j'ai 18 ans, je suis en terminale et j'ai décidé de vous montrer la vraie vie. J'ai filmé ma classe, j'espère que ça va vous plaire. Tu es en tort à la base et tu t'énerves. Quel tort? Tu as triché. Non. Mais non, bien, je constate que Yann n'est pas là. Bah, si vous le croisez dans la rue quelque part, vous lui dites. Il va être viré définitivement puisqu'il est absent à mon cours. Monsieur? Oui. C'est moi qui ai triché. Je suis désolée. C'est hallucinant. Tu laisses quelqu'un, un de tes camarades, dans une situation comme ça et tu dis rien. Et t'attends la dernière minute, quand il est trop tard, quand il est plus là. Regarde les marchés, Franchement, bien, divorce. Vous êtes jaloux. Ouais, moi je vous... Non. Ça se bécote. Ça fait 15 fois que je t'ai dit d'arrêter de nous filmer. Ouais, mais bah, y a cours là. Non, mais allez, bouge, vas-y, arrête de nous filmer. Y a cours, pas de bisous. Sortez vos affaires, vous vous dépêchez. Bien, je voulais juste vous rappeler que la petite affaire qu'il y a eu avec Yann avait été réglée grâce à la petite révélation que nous avons eue la dernière fois. Donc je ne veux absolument plus en entendre parler. C'est clair pour tout le monde? C'est clair pour toi, Yann? Oui. Ok. Donc on va revenir sur la guerre froide. Donc l'exposé d'aujourd'hui a été préparé par Pierre et Tia, à qui je vais céder la parole. Et donc vous prenez, attention, vous prenez des notes. D'accord. On va parler de la propagande pendant la guerre froide. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a les deux blocs qui s'organisent. Ça va être une espèce de guerre d'image à travers la propagande, et Tia va... Tiens, on va vous en parler. Ouais, bah, de toute façon, je vais vous distribuer les feuilles. Il se passait là. À quoi se passait là? Eh ben, elles sont. Je sais qui s'occupe. Non, c'est toi qui les as prises, mais moi, j'ai fait un pro, toi, tu t'es. On va distribuer. Bon, bah, je vais vous distribuer les feuilles, on n'avait pas prévu ça. On va essayer de faire avec. Voilà. Donc, je vais vous expliquer deux documents en fait, ceux-là. Non, mais tiens, on va pas faire sur ça. Et apparemment, il y a un problème et on les a pas. Donc, Pierre va se faire un plaisir de vous expliquer cela. Bah, vas-y, commence. Moi, j'ai fait l'intro. Vous laissez faire. Par contre, s'il vous plaît, vous êtes censé faire quelque chose de bien quand même. Ouais, je sais, mais on avait préparé quelque chose sur des documents qu'on n'a pas. Donc, c'est pas mon problème, vous vous débrouillez. Et vous vous dépêchez. Et vas-y, tiens. J'ai pas préparé ça, je sais pas quoi dire dessus. Bah, moi, tu crois que j'ai préparé quelque chose? Et pourquoi vous avez fait les photocopies de documents? Vous avez pas. Bah, faut demander à Pierre. Non, c'est lui qui a fait tout l'exposé donc. On va préparer leur truc, Yann. Monsieur, sérieusement. Bah oui. C'est déjà... Franchement, quand je serais passé là, je me serais fait incendier. C'est les deux qui passent, vous leur dites jamais rien. Lola. Et donc, ça, c'est des affiches qui étaient dans les villes et tout ça pour convaincre les gens. Je sais pas, oui, dans la rue, dans les journaux. De quoi? C'est intéressant ça. Tia, qu'est-ce que tu dis? Manifestement, c'est un travail qui n'est pas préparé. On avait préparé le truc, mais il y avait pas les documents, je sais pas pourquoi, mais voilà. D'accord, alors une simple chose, c'est que vous n'avez pas à régler en cours vos petits problèmes personnels, parce que ça ne regarde
que vous. Donc il n'y a qu'une chose à faire, vous réglez votre problème en dehors et vous me le refaites pour la prochaine fois. Donc Pierre et Tia, la prochaine fois, l'exposé prêt. C'est bon, lâche-moi Margot. Ouais, quoi, je fais rien, je suis dans les couloirs. Vous avez fait des photocopies des documents. Parce que c'est lui, il veut tout faire, il veut tout diriger, il veut faire tout l'exposé. Moi j'étais là, non, je les prends et tout. Non, il veut tout faire. Et maintenant on n'a pas les feuilles, bah c'est de sa faute, je suis désolée. Et l'exposé, je ferai pas avec lui. Non mais elle avait quoi précisément à faire? Ce qui me saoule, c'est qu'elle... Enfin, c'est tellement pas quoi dire qu'elle dit que c'est moi qui les oubliais. C'est trop puéril, quoi. Et tout ce qui va pas entre vous? Si, ça va. Oh, ça avait pas l'air. C'est parce qu'on s'est pas entendu pendant l'exposé que ça va pas. Mais tu tiens à elle? Ouais, moins qu'il y a un mois, mais... Je sais pas où j'en suis, en fait. C'est un peu bizarre. Ouais. Tout à l'heure... Même mes potes me lâchent. Mais non. Oh non. Ah, c'est bon. Je sais pas si ta copine doit être vachement joueuse. Qui? Ta copine. Qui? Allez ça. Qui? D'accord. Vanessa, je suis là. Viens ma chérie. Ma chérie, viens là. Tu pourrais t'occuper. Vanessa. Tu pourrais t'occuper de Tia? Ah non, mais moi je pensais à toi surtout. En fait, t'essayes un peu tout pour voir ce qui te convient le mieux. Faut goûter à tous les plats avant de savoir ce qu'on aime. Bah oui, ça c'est sûr. Enfin, pour pouvoir goûter à tous les plats. Ah, c'est clair. Excusez-moi. Prétentieuse. Ça va, Jules? Oui. Salut. J'ai un truc à dire aux filles, Manel, ça te dérange pas que je leur parle 5 minutes? Ça me dérange pas non plus, tiens. Allez, va voir Vanessa. Mais t'es vachement hostile comme nana. Non. T'as un problème avec toi-même. Qui aime bien, châtie bien, Manu. Enfin, toi, je t'aime pas, mais bon, ça. En fait, un jour, j'écoutais ta musique et puis il allait dire qu'il est venu écouter avec moi. Il a bien aimé ce que j'écoutais. Et en fait, j'ai acheté des places de concert pour aller voir ce groupe, c'est du raga. Et bah, évidemment, je voulais y aller à qui dire, et en fait, j'ai essayé d'aller lui parler, mais enfin, ça sort pas, quoi, j'arrive pas. Voilà. Toi, tu veux être plus que pote. Tu le caisses bien, quoi. Ouais. Mais chut, hein. Non, et lui, il n'a pas compris encore. Bah non, lui, je crois pas qu'il ait bien compris. Tu l'invites en tant que pote et pendant le concert. Mais non, il faut y aller direct. Ouais, c'est clair. En fait, faut pas que tu dises que t'as acheté les places, il faut que tu trouves un autre truc. T'as gagné des places. Mais à la radio. Comme par hasard, ça tombe sur un concert, sur un groupe qu'il adore, quoi. Bah et alors? Il va me dire. Mais ça peut arriver. C'est une bonne coïncidence. Ouais. Et si elle lui dit j'ai envie d'y aller avec toi et personne d'autre, bah c'est clair et net. Voilà. Mais c'est quoi déjà comme groupe? Ouais. Tu sors les places et tu lui mets devant le nez sans rien dire. D'accord. Quand s'il aime, il va réagir. S'il me rend pas, je suis dégoûtée. Bah c'est pas grave, au moins tu seras fixé. Vous voulez pas venir à notre table, les filles? Je sais pas, si vous travaillez pas. Non, on travaille pas. Tant qu'à faire, on peut discuter. C'est quoi le délire? Suzy? C'est quoi le délire? Je comprends rien. C'est quoi le délire, là? J'ai envie de lancer un débat, mais vous allez pas suivre. Vas-y. C'est quoi? Vas-y, tu veux jouer à la Mali? Tu peux me raconter ta première fois, s'il te plaît? Tout ça pour ça. Ah ouais, attends, on a rien à faire. Vas-y, dis-moi tout. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse, on s'en fiade. Avec Wayne, quel âge? Ouais, tu vas y passer. Moi? Ouais. 15 ans. Bah, je trouve que c'était super romantique. Non, c'est vrai. Je te crois, je te crois. Il était beau. Ouais, c'était un grand chaton aux yeux clairs. Vas-y, on t'écoute. Et voilà, c'était super sympa. C'était où? C'était chez lui. Et toi, bah, pour savoir, hein, j'ai envie de rester discret un peu là-dessus, non? Non, mais tu peux t'ouvrir à nous, hein, on t'écoute. Bon, écoute, alors j'avais 2 ans. Non, ça j'étais présumé, moi, à 2 ans, je savais même pas encore si j'étais un garçon ou une fille. Toi, t'as de la chance. Hein, ouais. Mais toi, tu parles beaucoup, toi. Tu racontes pas. Hein, vas-y. Oula. On t'écoute. Allez, raconte-nous. 15 ans. J'étais en colonie. Elle s'appelait Lucie. J'aime pas, quand même.
Voilà, donc c'était dans une tente à 15 ans au camping. Ça sent le mytho, ça. Ouais. Ouais. Toi, Brian, s'il te plaît, ta première fois. Ma première fois. Un animal, vas-y, vas-y. Un furet, mais arrête de dire des conneries. Brian, t'es plus chaud? Non. T'es plus chaud ou pas? Non, tu te souviens pas si ma pose. Brian, il est plus chaud. Allez, on achète des conneries. On achète des plus chauds. Tia, ta première fois. Ah, ça me regarde pas. Oh, bon. Pierre? Est-ce que ta première fois était avec Tia? Non, c'était pas Tia. Dis-nous. Non, j'avais 16 ans, c'était à 2 ans, c'était en Irlande, dans le Connemara. Moi aussi, j'ai connu des gens avant Pierre. Ah oui. Il est vénère. Raconte-nous alors. C'était pas Pierre. C'était en seconde, pendant le voyage linguistique en Angleterre. T'as profité du voyage. Avec Guillaume, et c'était super. Les puceaux, il nous dit tout le temps là qu'il a qu'une envie, c'est de le faire. Vous en savez qu'il est puceau. C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne croyez pas? Mais arrête de faire ta rebelle là. Pourquoi tu t'énerves? Ouais, c'est clair. Comme un rebelle. Oh, mais... Ça nous regarde pas, tiens. Monsieur, ça vous regarde. Un fantasme. Ouais, ah, ça vous regarde tous là maintenant. Ah bah ah, ouais. Vas-y. Non, non. Ah non, alors, Pierre, mais vas-y. Tu peux pas t'arrêter comme ça. Bah alors, je parle. Comme ça, là... Parce que okay. Moi, je raconte des histoires. Bah vous déduisez ce que vous voulez, tiens, et vierge. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Arrête. Ryan, va t'occuper. Oh, Tia. Et Juliette court. Alors, qu'est-ce que tu nous veux? Vous avez été étonné de la réaction de Tia? Ouais. Moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce qu'une fille avec un piercing sur la langue... Tout de suite. Et dire qu'elle soit vierge comme ça, d'un coup, ça me paraît louche. En général, quand tu te fais un piercing sur la langue, c'est un usage. Pas sûr qu'elle soit si vierge que ça, la dame. Bah si. Sinon, elle serait pas aussi agressive et... Ouais, mais non, parce que là, elle était énervée contre Pierre, tu vois. Elle a l'air un petit peu coincée, quand même. Un petit peu coincé. Ouais, mais je pense que dans le noir, ça se décoince vite. Et dire. Je vois pas de quoi de plus intéressant que les maths. Ah, c'est pas plus intéressant que les maths. Oh putain. C'est quoi ça? Oui, oui, il y en a deux. C'est Bobby Stewart. Et ben voilà, j'ai gagné deux places à la radio. Pour jeudi. Tu les as gagnées à la radio? Ouais. Samedi? Pour moi, samedi. C'est le truc... Non, c'est pas samedi, c'est jeudi. Espèce de gogol. T'es grave. Non, mais vas-y, c'est bon, j'ai pas de points. C'est génial, ça. Je suis grave fan, moi. Tu te rends même pas compte, Bobby Stewart. Ah, moi aussi, j'aime bien. Je te les paye si tu mets les places. Mais non, c'est pas le prix. Non. Maman, attends, s'il te plaît, tu te rends pas compte, Rouliette. Toi, t'es fan, toi, là. T'achètes tous ces trucs et tout. Si j'ai tous les CD chez moi. J'ai tous les CD. Eh bah, tu vas avec elle, ça, et c'est réglé. Ah, c'est excellent. Ah, c'est très bien. Il est fan. Tu vois, il est fan. Mmh. Ok, ok. Bon, je vous laisse faire vos maths. On s'arrange comment pour... Ouais, on en parle plus tard. Petit bide. Rouliette. Bon. Ah putain, excellent, trop content. Non mais il est gentil hein, mais avant tout il est quand même lourd quoi. Oh là là, toute une soirée avec lui quoi. En plus déjà il était tout fou là, rien de savoir qu'il allait y aller. Alors j'imagine quand il va aller voir et tout. Puis il va y dire c'est raté quoi. On est deux potes à elle. Elle voulait inviter un pote passer une bonne soirée. Je vois pas pourquoi ce serait plus Idir que moi, entre guillemets. C'est pas... Surtout que Idir... Mais qu'est-ce que t'en sais? Pour lui, faire ça ou aller... faire une bouffe ou aller au ciné, c'est la même chose. Donc autant... Pour Idir, ouais. Ouais. Mais pour Juliette? Ils sont mis... Enfin... Je sais pas trop où tu veux en venir, en fait. Enfin, je sais pas. Mais je pense pas, enfin... Juliette, elle est rentrée dans le CDI. Oui. Et direct, elle a invité Idir. Bah parce que c'est la première personne qui lui a venu. Non, non.
Je crois qu'il y a autre chose. Le mec qui se réveille. Bon, je vous laisse, hein. Rentre discret, rentre discret. C'est quoi le rôle? Bah, je sais pas. J'avais une envie de fouiller dans les sacs. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on fait déjà Vanessa. Oh là là. Des extasies. Non, ça doit être pour la gorge. Bah oui, n'importe quoi. Regarde. Où est-ce qu'elle met ça? C'est appétissant, ça, je sais pas. Où est-ce qu'elle met ça? Bah, c'est à Margot. Ouais. Ah, mais laisse tomber, elle même pas, elle emmène ses cours. Une pomme. Le gros dossier de Margot, une pomme. Je t'ai dit, obligé à la dépréservative. Edith, allez. C'est Edith. Vas-y, montre. T'es un malade, y'a rien dans son sac à elle. Ah ouais, ce mec il est Edith. Faut le voir. Ce mec il est Edith. Biographe, le droit de devoir. J'étais Don Juan. J'aime bien ça. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Ah mais carrément. Vas-y, il reste combien de c'est temps? Une artiste. Oh, putain. Oh là là. Non, c'est pas. Oh, c'est Alex. C'est Alex. Cost. C'est Cost. Un truc de oh, ouf. La gueule. Oh, c'est Cost. Eh, mais elle dessine. Elle dessine. Ouais, mais elle dessine Cost. Attends. Oh, mon pote. Mais elle fait des trucs nus et tout, t'es mort. Eh, mais comment elle a fait pour faire un dessin? Tu vois, je t'ai dit, il faut fouiller dans les sacs pour savoir les gens, comment ils sont. Ouais. Ah, franchement, j'ai envie de le garder, mais. Regarde ça, moi je prends ça, mais ouais, c'est bon. Mais tu gardes le truc en entier. Oh, bonjour. Bonjour. Moi, ouais, on a fait beaucoup de sacs, mais franchement, on a rien pris de suspect ou quoi et tout. Il y a juste Edith, oui, belle découverte. Donc grillé. Voilà, moi j'en déduis. Yann Lombardi déduit. À partir de maintenant, devant toi, Kevin, Edith est amoureuse d'Alexandre Cost. On s'assied, on enlève le chapeau. Allez, on s'installe. Allez, allez. On s'installe. Comment ça? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Silence. Ryan. Ah, c'est bon, je vais. Oui, madame, ils sont là. T'as vu, j'ai un nouveau colocataire. Mais ouais, moi aussi, t'as vu? Ah ouais, toi aussi. Tu fais quoi, là? Moi, j'aime bien je la vais solitude. À côté de toi. J'aimais bien la solitude. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je t'en ai. Le chapitre aujourd'hui. Illusion vient d'un verbe latin. Vous en doutez, un verbe qui veut dire tuer. Et c'est le verbe. Il devrait exploser, entre guillemets. Franchement, mais je t'ai demandé de fouiller dans mon sac, mais ça va pas ou quoi? C'est pour ça qu'on est tombé dessus par hasard. Tu nous dis rien, on connaît rien de toi. C'est un truc avec lequel tu pourrais. Mais c'est bon, c'est à moi, c'est personnel. T'es obligé d'aller le montrer à tout le monde, d'aller fouiller dans mes affaires, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est l'occasion de tout prendre aux autres. Mais Kevin, t'es pas obligé de faire ça non plus. Mais franchement, mais ça va pas. T'as fouillé dans le sac d'Edith? Il est tombé du sac, je l'ai ramassé. Je te demande même pas de répondre, tu te tais. Tu te tais. Edith. C'était quoi ton cahier? C'était quoi ton cahier? C'est un truc, c'est personnel. Elle est pas drôle. Je t'en parlerai pas. Nous allons à présent passer à l'illusion analysée selon Spinoza. Je vous rappelle, le savoir scientifique, en réfutant l'illusion, ne la supprime pas. Au revoir. Au revoir, maman. Et Vanessa, grouille-toi, s'il te plaît. Kevin. Ouais. C'est ça le truc? Kevin, s'il te plaît. Kevin, tu m'as pris un truc. C'est qui qui a dessiné Cost? Kevin, s'il te plaît, rends-moi ça, là. Mais ça va peintre, ça va peintre. Regarde, t'es vachement bien fait, Alex. C'est quoi T'es vachement bien fait. Qui c'est qui t'a dessiné? Elle dessine vachement bien. Vachement bien, ouais. T'es vachement bien fait. Beau gosse, beau gosse. C'est toi qui as fait ça? Entre Cost et les mecs tout nus. Et c'est Alex, sympa. C'est vachement bien. C'est ça. C'est Alex, non? C'est Alex. Et Alex. Regarde. Dis-moi tout. C'est vachement bien. Quand est-ce que t'as posé pour Edith? Il y a une semaine. Quand est-ce qu'Alex il a posé pour toi? Je sais plus exactement, enfin, genre un mois ou un truc comme ça. Elle a dit que j'avais posé il y a un mois. Il y a une grosse différence entre un mois et une semaine, quand même. Donc voilà, Margot. Oui. Je n'ai pas posé pour Edith.
Pourquoi t'as dit ça, là? Bah, pourquoi? Parce qu'il y avait tous les rapaces à côté, là, qui... voilà, enfin, j'ai pas envie qu'elle soit mal à l'aise par rapport à ça, quoi. C'est vachement bien. Tu voles son dessin d'amour. C'est pas une question d'amour au coquet, c'est moi qui l'ai fait décemment. J'ai posé pour elle. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, on peut avoir des sentiments. Mais ça n'a rien à voir avec des sentiments, j'ai posé pour elle, son droit de dessin, ça va. J'ai pas dit que ça l'était. Espèce de sale gamin. Mais parce que j'ai posé, parce que je l'ai fait, décemment. Mais parce que, Yann, attends, tu veux pas filmer Yann, deux secondes? Tu veux pas dessiner, toi? T'es méchant. Juste vite fait. Voilà pourquoi. Ah, c'est comment, bah. Ah, j'ai compris. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, Yann. En tout cas, t'as assuré, hein, vraiment. Merci. Non, sérieux, c'est super beau. Merci. Pour ce petit dessin. Tu savais qu'il avait posé pour elle? Ben non. Et enfin, je sais pas, ça m'étonne qu'il me l'ait pas dit, vu qu'on se dit tout. Ça te regardait peut-être pas, tout simplement. Non, mais enfin, je sais pas, c'est mon meilleur ami depuis 6 ans. Ah oui. Il m'a toujours tout dit, enfin, je vois pas pourquoi là, ça me regarderait pas. T'as l'impression qu'il te trompe, c'est ça? Bravo. T'as pas vu Alex et Edith? Si, ils sont au fond, là-bas. Près du gymnase. Tu viens? Viens. Quoi? Viens. Ah là, elle va avoir du modèle, elle va avoir qu'à dessiner pendant 4 ans au moins. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas voir. Et dites, on voulait te proposer des modèles, nous aussi. Ouais. Parce que comme... C'est pas aussi classe que Cost. Cost, il est sympa en modèle, mais nous, on peut te montrer un peu des poses et tout pour... Ouais, parce qu'on est bien aussi. Ça te dérange pas qu'on te montre un peu ce qu'on te propose pour tes dessins? Oh, la beau gosse attitude. Ça, tu pourrais me dessiner un peu comme ça ou... Enfin, avec mon surf. D'accord, ok. Tu veux pas me dessiner là? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Attends, ne bouge pas. Attends, bah, c'est mon côté italien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là là. Attends, il y a des affaires. Non, mais faut lui faire une belle fresque. Faites une, voilà, comme ça. Attends, moi, toi, moi, tu touches pas. Fais une petite dédicace comme ça. Voilà. Et un super sexe. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Comme ça. Vas-y, sors ton fusain. Excusez-moi, il y a un petit souci, c'est que j'ai oublié mes crayons. Ah non, non, mais là, attends. Ah non, mais dites, c'est pas possible. Je fais la bise. Eh ben écoute, de cette proposition. Elle dit que t'as des crayons. Ouais. Salut, bande de psycho. On en était où, là? Ben, je... Ben, ah bah oui, je t'avais montré. Ah oui, tu montrais Mickaël. Attends. Mais non, mais c'est pas Mickaël, arrête. Non, attends, Margot, c'est Mickaël. Je te promets que c'est pas Mickaël. Ça, c'est pas Mickaël. On dirait pas Mickaël. Révisez bien le chapitre sur la division du travail pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, à Marvel. Ça y est, la journée est finie. Ouais. Je peux te parler deux secondes? J'ai bien réfléchi. Pardon. Je vais réfléchir. Garde la place et donne la qui tu veux, franchement. C'est vrai? Ouais, j'ai bien réfléchi, je suis pas. Merci. Il y en a marre que d'être relou. C'est une bonne résolution, ça. Voilà. Non, mais j'ai bien réfléchi, bien vu que ça te faisait plus chier qu'autre chose. Pierre et Tia, grosse explication. Où ça? On a dit quoi, la dernière? Pierre et Tia. Oui, oui, c'est pas facile. Discrète. Mais quand t'as un problème, je crois que tu vas même parler. Mais je m'en fous que tu sois désolée. Oh, il crie. Ça fait 10 mois qu'on sort ensemble, ça fait 3 jours que j'ai ras-le-bol de toi, j'arrive plus à te regarder en face, tu me casses les couilles, tu me saoules. Ça s'arrange pas vraiment là, alors peut-être pas dû dire ça quand même. Dis quoi? Bah genre, ouais, je m'en fous de tes excuses. Vas-y, dis-moi, mais dis-moi ce que tu penses un peu. Oh, elle est comment? Elle est trop violente. Tu veux me vérité, là? Oula, oula. Ouais, me touche pas comme ça, là. Je suis envolée, là. Mais non, arrête de me dire, laisse-le. Là. Moi aussi, tu me casses les couilles depuis 3 semaines, là. Oh, tu vois que ça me fait plaisir, là. Oh, tu vois que ça me fait plaisir, ça, putain. Vas-y, pars toi, là. Attends, vas-y, me casse pas les couilles, là, putain. Oh,
Moi, j'essaie de lui parler. Papa. Papa, vous parlez, il me coupe pas une gueule dessus. Je passe du Margot, filme pas, s'il te plaît. Ça va, Pierre? Super. Le mot de la fin, s'il te plaît. Ouais, bah ça commence. Ça termine aussi bien que ça a commencé, je crois, la journée, là. Trop de commentaires à faire, quoi. C'est chaud. J'ai décidé de franchir le pas. Faire l'amour dans cette pièce-là. Je vais bien se mettre à l'ombre parce que ce sens, c'est bon, je te dis que ça va. Excuse-moi de faire attention à toi. Je te dis que ça va. Regardez, viens voir s'il est pas là, désolé. Il drague le là, pareil.